Retournons en enfer. Hein. Mais alors du coup, là, on est retourné à l'hôpital, non? Justement. Ouais, il est énorme. Oh putain! Ah, je crois que j'étais repéré. Je crois que j'étais repéré. T'as jamais su finir ce jeu, Kit? Bah écoute, ça va, tranquille, Ratchet, et toi? Oui. Il est énervé, hein. Il a pas eu ses médicaments aujourd'hui, il est énervé, là. Je sais pas si on peut tirer dessus. J'ai pas encore essayé les extincteurs. Là. Attends, ça va être le test, hein. Ok. C'est les extincteurs anti-balles. Pas de problème. Les extincteurs blindés en titane. Ça m'a l'air trop un espace ouvert là, ça pue là. Je suis arrivé du côté du garage. Ça a l'air de puer. Bah oui, bien sûr. Bordel de merde. Ah, l'enfoiré. Oh, ça pique. Bah oui, t'es caché là, y'a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que cette taille là? J'ai l'impression qu'il s'est arrêté, il me cherche. Là-dedans, je suis pas sûr. Oh non! Ça n'allait pas durer longtemps. Oh! Je pense que je suis mort. Ça m'approchait de la fin. Merde, j'arrête pas à viser. T'es sérieux là? Oh, je vois rien en plus. Je suis à peine en train de crever. Hein. C'est pas un truc de soin là-bas, je vais lâcher un peu. J'ai même pas le temps de vérifier. J'ai même pas le temps de vérifier. Et j'ai 2 PV. J'ai vu un ascenseur, mais je sais même pas si c'est par là qu'il faut aller. Merde, c'est pas l'ascenseur. C'est vraiment que je filme comme ça? Ah, le con. Putain, mais tu peux pas te permettre qu'il qu'il te voit. Hein. C'est pas possible. Ah, le con.
Oh my god. Ah mais non. Mais lol, il m'a envoyé une bagnole. Ah, t'es repéré, mais t'es tellement mort, mon gars. Il m'a envoyé une bagnole, quoi. La blague. C'est rien, c'est la carte. Je joue au con. Je joue au con, moi. Ah, d'accord. Ah mais tu le manques, t'es mort. Genre ok. Bon, on va essayer de faire ça discret jusqu'au bout, hein, si vous voulez. Là j'ai eu 3 fois, hein. Là, il commence à tout casser là. Il y a pas par là, il y a pas par là, il y a pas par là. Il y a pas trop près là. Ah merde, je vais se planquer dessous. D'accord, ok, non mais je veux pas me planquer dessous. D'accord, on peut faire ça. Non mais non. Mais je veux juste m'accroupir à côté. À côté. Ah c'est pas possible ça. On se met derrière. Déjà 4 fois. Hein. Non, là, je vais la foncer. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il manque son point faible, non? Je sais pas du tout ce qu'il fait là. Quoi? Mais je vois rien! Mais. Alors là, j'ai rien compris. Mais alors, rien du tout. Mais putain, le jeu. C'est le jeu qui est trop sensible. Salopard. Et par contre après, une fois qu'il a fait ça, qu'il est dans cette phase là, bah t'es obligé de courir et de lui tirer dessus quoi. Mais avec le fusil à pompe, je pense. Quel con.
Ah ça y est, il est en mode dégueulasse, attendez. Attendez. Attends des trucs. On a aussi une grenade. Je prends mon snipe. J'ai tiré dedans. Mais non, ta mère! Mais non! J'ai fait une murale, comme on dit. Non, il est revenu en mode normal là? Ah non! Ah! Mais c'est derrière une bagnole, non! J'ai déclassé sur une bagnole. Et je voyais pas. Ouais. Je sais pas, ils s'en foutent en fait. C'est peut-être son seul point à faire, c'est ça qui m'embête. Ah, j'ai peut-être pas besoin, je peux peut-être viser avec ça. Non, ça vise pas très bien. Hein. Est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant, lol. Elle énerve un peu là. Bah après, je sais pas en termes de dégâts si c'est bon. C'est plus simple de viser à côté de lui que avec ses flingues. Au moins dans la pièce on sait que ça sert à rien. Non. Enfin ça sert à rien. On peut quand même lui tirer dessus et il lâche prise après. Bien, c'est que je puisse le toucher mais de loin avec la longueur du couloir là. Au moment où il se retourne. Tant que je suis pas dans la zone, ouais, il continue à marcher. Sérieux, tout ce qu'on a eu là, non? Putain, va culer. Mais va te faire foutre le jeu, quoi! Oh là là! Il se retourne sur moi, il me respecte pas, quoi, le mec. Voilà. Là, ça marche là! Regarde le con! Il peut pas me choper quand je suis à temps avec son domaine de merde là. Il est obligé de se tuer. J'ai des grenades.
la pompe. Casse ça. Oh là 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 là. Ah, je peux plus. Ah, il l'a cassé. Merde, ça, je savais pas ça. Ah, il va vite. Le bâtard, il va vite. Non, s'il te plaît, le jeu. Oh, oh, oh. Oh, il est mort. Oh my god. Oh my god. Ah bah, ça mérite un trophée, ouais. Le premier, pas le dernier. Quoi, il y en a deux. Ah, ça mérite des GG, là, parce que... Il m'a fait la misère, ce boss. Il m'a fait la grosse misère. Ah, il m'a pas respecté, quoi. Voilà. On s'en sort pas trop mal. Oh la vache. Ah, il y avait une seringue ici, je savais même pas quoi. Non, c'était la panique générale. Intérêt à me donner 10 000 là. 20 000, waouh. Bon, bah, on va pouvoir faire des emplettes. Non, ce qui est bien, c'est que je savais qu'il y avait du fusil à pompe, donc j'ai utilisé le fusil à pompe. Pas grave, je crois que j'ai ramassé. Tiens, on ramasse les restes. Ouf. Grosse journée de boulot. Ah. Chapitre 10 fini. Ah, c'est bien, ça nous a pris que 2 heures pour le finir, ce chapitre. Attention, ce soir on le finit, le jeu. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen, on le finit ce soir, le jeu. Putain, c'est que des boss là. Que des enchaînements de boss. En vrai, t'es mort. Hein. Si l'ascenseur il descend. Hein. The Fennel White Shirt Tango Denim. Ok. On peut plonger. J'ai l'impression qu'on peut plonger en bas. Le piano, ok. Ah, ça sent l'endroit avec des secrets là. Rien dans le piano. Je peux même pas monter. Oh là là, il est revenu en ville. Ah bah oui, il va revenir vers l'hôpital Bacon.
s'assurer que l'asile est le dernier bâtiment encore debout. Comment c'est possible? Il se demande encore comment c'est possible. Ça sent mauvais quand même, hein. Tremblement de terre, tout ça, tout ça. Ouah, le banc. Souris. Hop. Je casse les bancs publics. J'ai aucun respect pour la municipalité. Bon, en même temps, il reste pas grand chose. Hein. Viens, on fait un petit tour de manège. Je vais faire un tour de cheval. S'il te plaît. Ah, je peux pas, il est pas mort. Ça se fait pas. Le jeu, il te tease. Genre, tu vas faire un tour de. Allez! Ah, dommage. Pas grimper là-dessus. Pas de menu sinon. Ah bah je cherche les bonus. Est-ce que c'est délicieux? Je les connais, c'est délicieux, c'est japonais. Ils cachent les bonus. Black Air Curse. Soit The Ring. Avec Sadako. Sadako. Et d'ailleurs, Shonka jouait à The Ring justement. Enfin, c'est moi qui lui ai fait jouer à The Ring. Et il avait aucun regret apparemment. Vous lui demanderez. Merde. Merde. C'est un peu dangereux, non? Pas au bus scolaire. Ok. Encore cette image avec le coffre là. Saloperie de coffre. Il était bien fait, hein, ce boss. Qui reprend une vie à travers les coffres forts là. Ah, sympa. Je peux pas le casser le mur. Magnum! Mais ce jeu est trop bien. Bon, bah, je sais dans quoi va passer le reste de mes. C'est quoi cette image au chou? Le reste de mes points. Oui, dans le Magnum. Ah, y a un Magnum dans le jeu! Je savais même pas qu'il allait avoir un Magnum. Bon, bah, voilà. Ça a calmé tout le monde, ça. Ici il y a le magnum et il donne des balles d'une autre arme. Ah ça c'est pas un ami ça. Ah.
Je crois qu'on a changé d'étage. Putain, ce niveau il est ouf. Ah, je suis carrément dans la rue, d'accord, ok. Bon bah voilà. Ça c'est fait. What? Quoi? Alors je crois qu'on va se brouiller hein, parce que. Si c'est timé là. Voilà, c'est ce que j'allais dire là. Ça se rapproche dangereusement. C'est pas mal cette phase de contemplation un peu. D'ambiance quoi. Il n'y a pas d'action. Oh merde! T'as une bourbonne, mec, dans le dos. Ça a l'air un peu dangereux. Efficacité 100%. Voilà. Ah là, on voit toutes les affiches qu'ils ont créées. Zombombe. Black Air Curse. Un truc de vampire. The Chapel. White Fog. Beyond. What? Beyond quelque chose. Bonjour, ça va? Vous allez bien, monsieur? Je suis sûr que je peux te brûler à travers la grille. Ah merde, non, je peux pas. Dommage. Tu viens? Mais d'où il vient ce connard? Vous pouvez pas passer là. What? C'est quoi cette arnaque? Comment t'es passé? Comment t'as passé à travers? T'es un passe muraille toi? Traverser la grille? Foutage de gueule. J'ai dû avoir un bug, il a dû passer à travers la grille. Putain, mais c'est quoi ce fantôme? Il est plus loué que Castellano, il a grimpé à la grille. Il a grimpé à la grille, mais attends, mais c'est quoi c'est quand même, comment il est passé? Ah, c'est chelou hein, quand même. Il s'est bien fait avoir. Discrètement. Hop là. Voilà. Comme à l'ancienne. Ah, il y a une vieille alarme en plus là. Merde. Sorry. Ah bah oui, ils peuvent grimper. Et moi non. Ok, bah je suis moins agile qu'eux apparemment. En tout cas. Moins intelligent, comme vous voulez. Par contre, cette merde là, ça va se déclencher si je vous la porte. D'accord. Comment je fais? Je tire dessus? Là-dessus.
Je sais pas si je peux le surprendre. Moi aussi. Comment qu'il mange. Ouais, pour le surprendre en vrai. Tiens, essaye de me repérer. Petit con. Il s'est relevé, genre je vais te choper. Voilà. Ah par contre on peut aller là-dessus. Ah on peut aller au-dessus. Ah que pour ça? Merde je comprends rien. Moi je suis censé y aller là. Peut-être une clé, je sais pas. Pas bon, c'est pas grave. Je peux juste ranger mon arme. Ça aussi c'est chiant. Bon c'est pas très grave, j'aimerais 6. Il y a des petits défauts comme ça de gameplay. Quand tu veux ranger ton arme et que t'es près d'un cadavre, il balance une allumette, c'est le même bouton. Ah on pouvait passer par là. Ça me dit toujours pas comment on fait pour voir ça. Oui, comment je vais faire? À moins que c'est il faille vraiment tirer dessus et que j'ai raté. Ça peut être qu'ici, hein, il doit y avoir un truc à déclencher. Ah non, il y a juste une porte. Là, alors comment? Bah non. What? Ah d'accord, ça me fait l'autre. Ouais, il y avait personne maintenant. On se met là. Tiens là-dessus, enculé. Oh là. Ah merde, attends, tu peux le dernier. Il va quand même prendre feu mon gars. Voilà. Il fait pas chier. Il y a d'autres qui arrivent là? Non. Oh putain! Ils sont sérieux là? Ils sont sérieux? Bah t'as des militaires le jeu. Mais non.
Avec la pression de l'autre là qui me tire dessus. Ah va te faire foutre. Bim. Là ça m'est arrivé ça. Attends. Boum. Ok. Attends, il est où le... Eh, il est allé en bas. Il tire pas au bon endroit. De mourir hein. Avec deux balles 100% critique. Ah, il y en a encore, mais c'est une blague. Ah, attendez là, faut arrêter des conneries. Hein, hein. Ah d'accord, elle s'est pas déclenchée. Ok. Ah non, c'est moi. Ça va pas tirer la bonne. Je sais pas pourquoi. Ah le con. Mais non. Le jeu du non-respect. Mais vas-y, bute-moi, allez. Putain, j'en ai marre là. Je vais me faire toucher par des technos là. Là je suis encore en vie quoi. Ah c'était sale. C'était très sale. Extrêmement sale. La première flèche qui est tirée alors que je croyais que ça équipait les derniers trucs que tu construisais. Donc j'ai tiré direct. Non non, c'était une flèche normale. Ok. Ok. Super. Putain, j'aurais dû me casser, ouais. Toi, tu donnes rien, toi? Enfoirès. Enfoiros. J'ai envie de la recommencer, cette séquence, tellement je fais de la merde. Ah bon, c'est pas grave, je suis au minimum de vie. Par contre, ils m'ont bien fait dépenser mon... armes, ça se veut. Quoi le web ça? Ok, où il y aurait un je sais pas, un Mars ou un Sneakers pour remonter ma barre de vie. Ah merde, fais peut-être pas sauter tout de suite. Ah, fais chier. Oh, j'hésitais, j'aurais dû monter. Il y a quoi là-haut? On va se dire qu'il n'y avait rien, sinon ça va, on va s'énerver. Merci pour l'host, Saster. Ça fait plaisir. On avance, Saster, attention. On est au chapitre 11. On a fait un chapitre. Putain, je me suis fait saigner là, à l'instant là. J'ai pratiquement plus rien là. En de munitions. Putain, mais ce bus il a été vidé, l'eau. C'est un faux bus. Oh, quoi? Non, ça va. Ça, j'ai peur. Ça mettait des dégâts gratos. Encore un piège à con. Oh merde! Ou pas? Si. Mais non! Y'a un Kraken?
Il y a un Kraken, c'est vrai. Ah oui, on va s'amuser, je pense. Ok, ça pue un peu, mais bon. Ah, je peux pas viser de l'autre. Je peux pas viser le deuxième, vite, vite, monte sur la gueule. Merci. Ouh. Non mais va le chercher, enculé. Tu fais tomber un cadavre pour toi, salopard. Avec la vision du monstre. Ah il est dégueulasse, c'est ce quoi. Prends ton temps surtout. C'est bon là, il va pas me retourner la pièce de béton là. Ah c'est pas fini. Salopard. Il m'a mis un coup. Chainsaw 3D, ah! Ça pourrait être un vrai titre. Parce qu'il y a Massacre à la tronçonneuse, sûrement en 3D qui doit exister. Oh le con, je suis allé vers lui. Ah, c'est bon, il y a un cadavre là-bas, il va y aller. Je l'ai pas vu. Take your time, hein. Lol. Oh, ouais, mais c'est encore pire en ville, quoi. C'est ignoble. En fait, t'as un problème avec les camions au bord de fer. Je ne retournerai pas dans l'autre sitôt. Tu veux pas venir te baigner? Tu m'étonnes qu'il ne va pas retourner. Sester vous envoie Wiz. Hey, coucou! Toc toc toc. Le gars emote sur MSN là qui te fait un petit toc toc toc. Y'a quelqu'un? J'ai 27 000 et je peux pas le dépenser là, ça commence à être chiant. Ah, ça c'était où j'étais avant du coup? Non. Peut-être pas. Non, je crois pas. Il faudra que j'y aille de toute façon. On peut pas grimper là. Ouais, vaut mieux sauter là-dessus. Je propose qu'on y aille en vélo. Grosse strat. On pique un vélo. Ça craint tellement. Une allumette. Merci le jeu. Je suis content. Et quand je suis content, je vomis. Petite référence. Oh non! Il va y avoir encore le PD là. Quand ça passe en bleu là, c'est pas bon signe. Bah oui, ils sortent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire connaissance avec mon ami le Magnum, tu vois. Vas-y, monte. Mais tu peux grimper sur les bagnoles en plus. Oh my god. C'est pas possible. Ah j'ai des grenades. Ouais. Je vais mettre ça. C'est bon là? Loul. Ah comment je te l'ai gagné? Comment je te l'ai gagné? C'est juste une copie. Ouais c'est une copie ouais. C'est un petit peu vénère apparemment.
Oh là là, comment je t'ai gagné ça? J'étais pas très serein, on va dire. Ah, super! Angel. J'étais pas très serein sur ce combat. J'étais en manque de munitions là. Fusil à pompe. Ah, faut faire gaffe à tout. On va pas ouvrir le coffre arrière. Bien sûr, il y a un fusil à pompe. Putain, faut bien voir les détails, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud patate. Hein. Et je vais un peu fouiller parce que sinon. Ah voilà, genre une seringue là. Hein? Ah, j'ai ramassé les seringues tout à l'heure. Ah vas-y, fais-toi plaisir. Hop. On a refait le plein de seringues, ok. Ça c'est check. Maintenant les munitions. Faut bien checker s'il n'y a pas d'autres munitions qui sont plantées dans les bagnoles. Ok, sur le côté. Est-ce que tu vois pas quand t'es en pleine panique? Et tu es obligé de courir pour ta vie. Bon, on a récupéré quelques munitions. C'est déjà pas mal. Putain, mais tous les endroits, ça a l'air d'être des guet-apens, quoi. Maintenant qu'on est en ville. Oui. On peut peut-être se regarder dans le miroir. Dites-moi que je rêve. Ou se TP directement. Putain, je suis fini à la piste. Je vais aller me piloter. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas dormi depuis 24 ans? C'est lui ou quoi, qui a fait ça. Mec, il va se coucher à 21h. Tu veux que je vienne te border, Sester? En gros, t'es censé être en sécurité, quoi. Ton sanctuaire. Inspecteur? Ouais. Est-ce que ça va? Vous vous rendez bien compte que personne ne viendra me remplacer. Ok. Inspecteur Brown, disparu. Inspecteur Arnold Brown de la police de Crimson City a déclaré posséder des preuves cruciales d'une affaire non résolue peu avant de disparaître. Une grosse ambiance.